بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكونتي شابيتلو استحباب الأكل بثلاث أصابع موز avec trois les doigts واستحباب لعق الأصابع nous lissons nous les doigts Nous suçons les doigts avant qu'il nous suive ou ça nous lave li wa karahati mashiha qabla laqiha et il n'est pas recommandé donc il est détestable pour finir lave li pour finir suivre li avant qu'il nous lisse li wa istihbab laqi alqas'ati wa akhdhi alluqmati allati tasqutu minha et mustahab nettoyer pour lisser de récipients dans lesquels nous mangeons là et s'il y a quelque chose est tombé dans nos nourritures nous ramasse li وأكلها نماز لي وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها et permission pour suivre nous la main avec nous les bras ou soit nous les pieds. Alors comment vous trouvez dans le hadith aujourd'hui? Premier hadith, hadith 752 وعنه donc rapporté toujours par سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيع إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه certainement شيطان لي présent avec n'importe qui s'en là parmi eux dans n'importe qui moment sur la vie dans n'importe qui situation il était dans n'importe qui quelque chose il peut faire ça nous besoin conscient ça شيطان nous l'ennemi Allah nous dit nous prend lui comme un ennemi considère lui comme un ennemi alors l'ennemi là il pas quitte nous dans n'importe qui quelque chose nous faire dans n'importe qui situation dans n'importe qui moment lui avec nous حتى يحضره عند طعامه jusqu'à qui même dans son manger il vient présent avec lui il reste avec lui فاذا سقطت لقمه احدكم et quand donc un bout dans ce que je peux manger un parmi eux qui peut manger il tombe فليأخذها qu'il y ramasse li ou al-yumit ma kana biha min adha et il suit il élimine la danse qu'il y a comme dito thumma al-yakulha et qu'il y mange li wala yada'ha li shaytan et qu'il y parquite li pour shaytan fa idha farag quand dit mon la fini manger fal yal'aq asabi'ahu qu'il y sussuban la main comme on finit expliquer fa innahu la yadri fi ayy ta'amihi al-baraka parce qu'il y pas connaît dans qui partie se manger et na barakat Prochain hadith, c'est hadith 753. وعن أنس رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث quand رسول الله صلى الله عليه وسلم tu peux manger alors tu peux lisser les doigts sur trois les doigts qui lui servent pour manger là donc nous rappelle c'est le pouce l'index et le majeur Et là, ben, l'ulama explique un petit peu lisser qui veut dire. Peut-être, moi, pas que tu viens servir le mot lisser, c'est le mot sucer que tu viens servir. Ça veut dire, ou soit nous servir nous la langue, ou tiens, ça va nous manger qu'il y a les doigts là, ou soit nous mettre dans nous la bouche et nous tirer li avec l'intérieur, nous la lève. C'est comme ça qu'Iban, l'ulama fin expliquer. Certains films élaborent beaucoup le fait qu'il ne faudrait pas nous gagner des goûts, il ne faudrait pas nous trouver ça comme une quelque chose mal élevé, il ne faudrait pas nous trouver ça qui est une quelque chose qui, comment dire, déshonorable. Non, au contraire, c'est le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous devons pratiquer. Alors, Rasulullah sallam, donc, quand l'étipé mange un manger, l'étipé suce la main. Wa qal, elle dit, idha saqatat luqmatu ahadikum. Quand quelqu'un parmi eux, un morceau se mange fin tombé, fal yumit anha al-adha, qui les nettoie la dent, ça. Dito qui finit nana, par exemple, la poussière ou ça, n'importe qui les autres affaires, wal yakulha, et il mange li. Wala yada'ha li shaytan, et n'a pas quitté n'aigné pour shaytan. Alors, ben, on a m'explique nous, qu'est arrivé là? Shaytan, lui, dans ce bande ruse, pour, comment dire, il gagne quelque chose. Alors, les vini, les fait waswasa, les fait dimon la blier, les met un tas quelque chose dans la tête dimon la, finalement, les distraire, les, pour les empêcher, les dire bismillah. Et la fois, même si les dire bismillah, donc, Shaitan là aussi, pas pour quitter les. Et la fois, Shaitan fait une façon qui mange là, ça de sur la main tombe. Et la oulama mentionné que Shaitan, moi, j'ai les tapes plis de sur la main. Manger là tombe. Et la fois, arriver ça. Ou pas connaître qui manière, manger là tombe. Alors, là, les gagnent sa bout qui finit tomber là.
كوسا رسول صلى الله عليه وسلم جاء لا تدعها لا يدعها للشيطان لي باكيت نوني بو شيطان نا باكيت نوني بو شيطان ça veut qu'il tombe là aussi son ruse ça il a envie faire lui tomber il est possible qu'il ait envie faire lui tomber pour lui gagner lui comment dire pour lui gagner une bouteille puis d'au manger alors tant que capable ramasser tant que capable prend moi tout le temps content prend l'exemple un camarade pour nous qui qui reste dans Madina, un des mêmes descendants Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un jour nous allons manger contre lui, donc quand nous pouvons manger, nous mangeons différent de quelque chose, en bas, le dastarkhan, en bas, comme nous connaissons, mettre un tapis, mettre un drap, manger là. Quand il finit, il peut ramasser. Alors, il y a une gandirie qui est tombée. Normalement, ce qu'il nous fait, nous prenons lui, nous sacouiller. Sacouiller de haut, ça la poubelle. Il peut ramasser un par un, ça va la gandirie là, il peut mettre dans la bouche. Montrez-nous cette pratique sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'a pas quitté rien pour Shaitan. Et ça, manger là, n'a pas barakat là-dedans. Il ramasse un par un, ça va la graine qui est tombée là, il peut mettre dans la bouche. Donc nous faisons des efforts maximum, nous pas quitté rien pour Shaitan. Et nous pas quitté barakat, parce que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas connaît dans qui partie, nous nourriture et n'a barakat. Alors, hadith continue, sahabi là, dit, ça vient Anas bin Malik, radiallahu anhu, il dit, wa amarana, أن نسلت القصعة وقال إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدون نلود بو نتواي سا ريسيبيان dans lesquels nous mangeons نتواي nous l'assiette ça veut dire passe la main tire dans la sauce tire dans la grandirie tire tout dans les affaires نتواي لي nous mangeons alors dans les autres rivayats montrez-nous qui quand nous نتواي لي ça l'assiette la fait droit pour nous وقال il dit إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة parce qu'ils ne sont pas connus dans lesquelles partie de nourriture est la barakat. Comment nous expliquer? Alors, dans un hadith, dans ce chapitre-là, hadith 754, wa an Sa'id ibn al-Harith, un tabi'i qui appelle Sa'id ibn al-Harith, radiyallahu anhu, on utilise déjà un riwayat concernant lui, annahu sa'ala Jabiran, radiyallahu anhu, عن الوضوء مما مست النار. Alors le diman Jabir radiyallahu anhu li un sahabi, un grand sahabi, le diman li concernant oiseau, l'eau, un quelque chose qui diffait fin tu sais, qui est une couille dans diffait. Alors qui veut dire ça? Et là, un masla qui est venu avant, après ça fin abogé. Masla là qui était, c'est qui quand un quelque chose, une couille dans diffait. Dans n'importe quelle façon, le fin a un contact avec diffait. Par exemple, on a fait un grillé. Alors, quand nous mangeons ça, nous devons faire oiseau. Ça, c'est un règlement qui est venu avant. Là, après ça, finena nasr, le fin vin mansour. Ça veut dire le fin abrogé. Comme ça, plusieurs règlements là, qui après règlement là, changé, le fin abrogé. Ça veut dire quand nous mangeons quelque chose qui une cuit avec diffet, qui a un contact avec diffet, nous pas besoin faire oiseau. Oiseau pas cassé. Nous sommes capables de continuer comme ça même. Donc, ça, Tabi'i là, il pose question concernant ça avec le sahabi, Sayyidina Jabir, radiyallahu anhu. Fakal, l'idiali. Jabir dit, là, l'idiali non. Donc, pas besoin de faire oiseau. Peine à vous faire oiseau, on finit à bouger. Quand kunna zaman al-Nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous typait. لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas peut trouver sa qualité manger là, excepté un tigin même. Pas tiens à beaucoup sa qualité manger là. Pas comme nous à cette là, aujourd'hui tous les jours nous allons diffé, nous couille manger. Alhamdulillah. Mais c'est moi nous bien penser dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba. Tous les jours allons diffé là, tirons ça. Pas tiens à tous les jours allons diffé. De temps en temps, tu peux allons diffé parce que si tu peux manger des affaires comme l'ose, comme un tam, comme les autres affaires encore, qui n'ont pas besoin d'y faire pour lui. Alors, ça, quelque chose là, tu vois, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous, tu peux trouver, ça veut dire quand tu as quelque chose qui t'y grille, qui t'y couille avec du fait, l'am yakun lana manadilu. Pas t'y en a moussoir. Manadil, c'est pluriel de mindil. Qui veut dire moussoir. Donc là, nous trouvons qu'avant, tu en a, tu peux servir un torson. Pas de tissu paper comme on est dans cette là, mais il y a un torchon qui se peut servir pour suivre la main. Alors, l'am yakun lana manadil, pas de tissu paper, pas de torchon qui nous peut servir pour suivre la main. Illa
akufana, excepté nous ban kuf. Alors, kuf c'est sa partie qui joigne nous la main avec nous les bras là. Sa bout là, c'est qui nous appelle poignet. Wa sawa'idana wa aqdamana. Ou soit nous ban poignet, ou soit nous ban sawa'id. Sawa'id c'est pluriel de sa'id qui sa partie avant-bras, comment nous dire, en coude avec poignet là. Wa aqdamana, ou soit nous les pieds. Aqdam c'est pluriel de qadam qui veut dire les pieds. Donc ou soit poignet, ou soit les bras, avant-bras, ou soit les pieds. Manzahaba qui tu peux faire, patina mousso, patina torson, d'elle aussi peut-être patina, tira. Alors, ce qui est une manzaine finit lissé là, elle finit sucé. Prends la main là, suis-lui avec poignet là, ou soit suis-lui dans l'avant-bras, ou soit suis-lui dans les pieds. Alors, ça aussi, il ne faudrait pas nous mettre ça comme une pratique qui, comment dire, mal élevée, qui mal propre. Au contraire, c'est pratique qui va en Sahaba, qui reçoit la salam, il enseigne nous. Alors, à nous, là, m'expliquer qui fait ça. Parce qu'une des bonnes raisons, attention, quand je te fais sisda, je te fais sisda, ça veut dire, je te la mets pour poser en bas. Et pas tiens la moquette en bas. Tu peux faire sisda, là, la terre. Non, mais je dis, tiens la terre en bas. Alors, attention, quand je te fais sisda, quand la mets là, il pour, en a mangé, il pour mouiller, donc pour gagner la poussière là-dedans. Il faut ça, transférer-lui dans une place que pas pour poser en bas dans sisda. Et, ben là, je vais vous expliquer aussi qui, comment dire, ben ça, à base, main concern, partie manger, je manger là, ok, nous besoin manger, nous manger. Le tracas, c'est namaz. Comment pour faire namaz? Donc, quelle disposition nous peut prendre pour qui, quand nous faisons namaz, nous faire lui d'une meilleure façon? Alors, comme ça, qui, je peux suivre ça dans votre poignet, dans votre avant-bras, ou soit dans votre les pieds. À ce là bon, quand on peut dire suyer là, il ne faudrait pas nous imaginer, nous prenons l'exemple, nous mangeons briani, et dans tout ça gras, tout ça épices, tout ça diri, dans nous lames là, ça qui nous peut suyer, ce n'est pas ça là. Hein? Rappelle bien, plusieurs fois, il faut mentionner dans le titre et dans le hadith, qui les moustahab pour finir sous ce lit avant. Tire-li, nettoie-li. Ça veut dire que nous les doigts propres là. Peut-être qu'il y a une la salive là-dedans. Et qu'il est macro pour suivre avant qu'il nous lisse-li, avant qu'il nous souci. Donc, quand nous ne pouvons pas nous lamer, nous les bras pour comment dire, faire livre une propre, en guillemets là. Hein. On peut dire faire livre une propre parce qu'il est déjà propre. Il est déjà propre là, lui. Et encore une fois, je disais ce qu'ils m'ont dit hier, manger pas mal propre ça. Manger, il n'est pas mal propre. Donc, si mon me fait que mange briani, je prends l'exemple briani, ou soit n'importe qui ça fait qu'il mange normalement, ben, ça fait qu'il nous mange, nous n'a pas faim là-dedans. Nous pas qu'à venir à l'odeur. Quelque chose qui nous mange, n'a pas faim là-dedans. Alors, c'est pas faim qui ne veut pas nous l'amener là. Hein? Un pas faim, c'est épices briani, il est agréable. Lui. Nous ne mangeons pas, mais non, ça pas faim là-dedans. Donc, c'est ça qui ne veut pas nous l'amener. Alors, là, nous apprenons quelque chose de nouveau. C'est qui nous capable, suit nous l'amener avec nous l'autre la main, nous poignets, ou soit nous avant-bras, ou soit dans nous les pieds. Après, hadith l'a terminé par Thumma nous salli wa la natawadda. Après ça, nous faisons namaz et nous pas faire wazou. Donc, les films mentionnent ici, nous pas faire wazou qui fait parce que ça règlement qui dit que quand il mange quelque chose, qui disfine, tout ça, bien faire wazou là, ça finit à broger. Alors, donc, ça, dans ce chapitre-là, nous finissons à prendre. Nous redirons quelque chose d'important, nous regrettons dans nos titres, quelque chose qui est moustahab pour manger avec trois les doigts. Pas manger avec des les doigts, c'est temps de manger avec des les doigts, ben, dit mon qui est arrogant, manger avec des les doigts, mais manger avec trois les doigts. Si bizin, mettez un quatrième là-dedans. Et, ou sans même un cinquième, mais tant qu'il possible, manger avec trois les doigts. Le pouce, l'index, le majeur. Et, lisse, donc six, les doigts, quand nous finissons manger, avant qu'il nous nettoie lui, avant qu'il nous suit lui, dans moussoir, dans torsion, soit avant qu'il nous lave lui. Et ça, récipient dans lequel nous finissons manger là, lisse lui, tire tout bon manger là-dedans, nettoie lui, pas laisse lui comme ça même. Et quand une boutine tombe, prends lui, ramasse lui, nettoie lui, manger, parce qu'il est possible que Shaitan qui nous fait lui tomber, pas quitte n'en y pour Shaitan, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Et nous capables, quand nous finissons, lisse nous la main, suce nous la main, nous capables, passe-li ensemble avec nous l'autre la main, nos poignets, ou soit nos avant-bras, ou soit nos les pieds, pour faire livin, pour, comment dire, répartir ça reste là, pour qu'il n'y pas reste lourd dans nos la main.
Et donc ça c'est un principe qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance. Et nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq comprendre cette réalité là, qu'il y mette bénédiction, qu'il y mette rahmat, qu'il y mette barakat dans ce qu'il donne nous, dans nos bonnes pratiques, qu'il fait nous adopter bonnes pratiques Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si les chikin, même si les chipchi, même si les autres dimoun pas peu content, même si les autres dimoun peut trouver est désagréable, nous connaissons une conviction qui c'est pratique que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il montre nous, ça même plus bon là-dedans même et dans la lumière, et qui Allah subhanahu wa ta'ala illumine nous avec la lumière de sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.